Bonjour à tous, merci d'être venus à ce nouveau groupe parents, cette nouvelle session. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Céline Leroy, je suis la nouvelle bénévole référent de ce groupe parents. Voilà, donc je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Déjà, je pense que j'ai toujours eu cette volonté de vouloir me sentir utile, d'aider des personnes ayant des réelles difficultés, des réels besoins. Et je trouve que l'APF est une belle association qui défend une vraie cause juste. Pour avoir moi-même côtoyé, on va dire de près ou de loin, des personnes en situation de handicap, j'ai voulu m'investir, enfin je me sens sensibilisée du moins par cette cause et je pense que ça devrait susciter l'intérêt de beaucoup plus de personnes. Travailler ici, c'est rencontrer beaucoup de personnes, qu'elles soient valides ou non valides, qui ont une joie de vivre, une bonne humeur qui motive, quoi. Ça fait relativiser, sincèrement, ça fait relativiser et c'est un vrai bonheur de travailler avec ces personnes-là, très honnêtement. Je voulais vous demander par hasard. C'est que des parents d'enfants en situation de handicap qui effectivement peuvent se sentir un peu seuls dans leurs interrogations, dans leurs difficultés quotidiennes. Et on essaie effectivement de rassembler ces personnes déjà pour qu'elles prennent conscience qu'elles ne sont pas seules. C'est un moment d'échange aussi entre ces personnes-là, un moment de quelque part où elles peuvent respirer aussi, hein, un moment de partage. Et où voilà, on essaie de trouver les thématiques qui leur tiennent à cœur, qui sont leurs principales préoccupations, communes si possible, mais au moins en faisant intervenir une personne spécialiste du sujet et voilà, pour essayer de les soulager du mieux qu'on peut. On instaure aussi par exemple, des parcours fauteuils. C'est-à-dire qu'on met nous bénévoles ou des personnes valides dans la rue, dans des fauteuils pour pouvoir nous-mêmes comprendre quelle est cette situation de handicap et mieux appréhender les choses. Et on le fait avec des personnes en situation de handicap et on oublie du coup complètement ce handicap, quoi. On est d'égal à égal. L'APF, c'est vrai que les missions sont quand même diverses et variées. Quand on travaille ou qu'on ne travaille pas, on peut trouver le temps de. C'est pas une question de. Voilà. Quand on veut, on peut.